aujourd'hui, on est là pour surtout fêter l'inauguration de l'école de doublage. C'est bien, le principe c'est bien. En tout cas, la soirée est très bien, c'est très sympa. Bah, c'est super parce qu'il y a plein de personnalités du doublage qui sont là. Et, donc c'est une bonne école pour la comédie. Alors, j'ai appris ce projet-là tout récemment. Je trouve que c'est une super idée et c'est intéressant. Donc ça va former des nouveaux talents. Et là, au moins, on pourra apprendre ce que c'est que ce métier en détail. Et Dieu sait avec qui, puisque j'ai dit, c'est quand même une des grandes pointures du doublage. Jenny Gérard est quelqu'un de très bien au niveau de la direction d'acteur, qui a le contact déjà, en plus, qui est très près des comédiens, qui les écoute et qui voit un petit peu quelles sont leurs difficultés. Avec Jenny, on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sur l'objet premier. Bon, l'air de rien, le doublage, c'est pour moi une des activités les plus difficiles pour un comédien. Elle savait toujours rappeler que c'était l'original qui commandait. Parce que c'est pas évident de reproduire en très peu de temps ce qu'un acteur aura fait pendant le tournage. Quoi. On est venu encourager Jenny pour l'ouverture de son école. Ok, bah, salut, moi c'est Senso, j'espère intégrer l'école. Donc peut-être futur élève de la première école de doublage en France. Et c'est elle à qui je dois de faire du doublage. Elle m'a donné un fabuleux rôle dans La Petite Boutique des Horreurs et ma carrière dans le doublage a commencé comme ça. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. C'est une merveilleuse rencontre, très sympathique, très spontanée. Et voilà, ça s'est fait naturellement et avec beaucoup de joie et d'amour, je pense. Oh, regarde comme ils sont mignons là. Sur le plateau, c'est comme ça. Sur le plateau. Ouais, ouais. Alors, vous êtes tout ça dans le prochain, hein? Non, j'espère. Alors, je ne parlerai pas longtemps parce que je ne sais pas parler. Mais je voulais vous remercier tous d'être venus parce que ça me fait énormément plaisir parce que cette école, j'y tiens et j'ai envie que ça marche. Je voulais vous dire que mes parrains et marraines sont donc Lucien, Jean-Baptiste et Charlotte. Je vais prendre la priorité sur la marraine qui conclura ce petit discours. Il y a une dizaine d'années, ouais, une dizaine, on peut dire ça, j'avais 30 ans, 31 ans. Je disais, ouais, moi j'aimerais bien faire des doublages. Ouais, monsieur Grandal, c'est un jour, il y a une fille qui s'appelle Annie Milon qui m'a dit qu'il y avait plus ou moins des essais et vous cherchiez une voix de noir. Et 3 mois plus tard, Jenny m'a téléphoné et m'a pris sur un film qui s'appelait le Seigneur de Harlem. Et Jenny me dit, tu vas faire ce mec-là. Moi, je n'en avais jamais fait, donc un petit gars. Et moi, je vois ça, j'ai jamais fait tout là et je sens... Et je sens que Jenny, elle dit, ah, peut-être que je me suis trompée. Et le gars dit, moi je t'ai donné celui-là. Je sais pas. Et voilà, et 10 ans après, je suis encore là et c'est grâce à Jenny, je la remercie. J'espère que cette école, tu feras pareil avec tous tes élèves. Voilà. Maintenant, pour conclure, j'imagine que tout le monde en souhaite... Bonne chance à cette école, qu'il y ait plein de monde qui vienne. Et Jenny est une formidable directrice de plateau, elle a les mots justes, elle a de la patience, elle est gentille et je pense qu'elle le sera avec tout le monde, tous ceux qui passeront par là. Et qu'il faut souhaiter une longue vie à cette école et un gros merde. Bravo! Pour être un bon comédien de doublage, il faut être un bon comédien tout court. Mais il est vrai qu'il y a des écoles de théâtre, des écoles de cinéma, enfin où on apprend le cinéma, mais il n'y a pas d'école de doublage. Donc moi je trouve que tout ça s'inscrit dans la palette du comédien. Aujourd'hui les comédiens, il faut qu'ils sachent tout faire. C'est que les très jeunes comédiens qui démarrent, ils peuvent avoir une spontanéité sur un plateau et paniquer et de perdre un peu la spontanéité. Donc je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une initiative qui aurait dû même faire depuis longtemps.